Yo tout le monde, c'est Lecta Hir, enfin Lecta Serrahir. On est sur Ouais. la bénévolente banque avec lui là. Et eux deux là, mais eux deux on s'en fout, c'est des noobs. Ouais, eux deux, on s'en fout, c'est des autistes. Enfin, on sait pas encore, on verra bien. C'est trop ça. Mais il y a de fortes En tout chances cas. que ce soit des autistes. Vu leur niveau, peut-être pas. Ah, j'ai pas pris la scie. Nye, t'as pris la scie? Bah non, t'as pris la scie. Mais pourquoi t'as Non. pris la scie? Hein? Pourquoi t'as pas pris la scie? Parce que j'ai oublié. Une... On recommence? une... non. Ok. Elle a mis du temps à se rendre compte, hein, cette salope. Hein, de... Ouais, c'est ça. Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut ouvrir la salle des j'ai serveurs. plus de lire. À la perceuse! J'ai déjà pris un tir? Ah oui, ce truc, il y a déjà des mecs au début. Il est où? Ah, cool. Alors évidemment, ce que cet autiste n'a pas Il l'air est de où? voir. Il est où, Bob? Je veux Bob. Non. Roger. Moi je cherche Bob. Ouais bah moi je vais chercher l'ordi. Moi je kiffe comment il finit dans le trailer Bob. C'est kiffant. Oh, il y a déjà les tasers. Donc on cherche le bon ordinateur. Hein. Il y a quelqu'un qui le fait sonner pendant que nous Ouais, on moi je suis tasé par un enculé caché derrière un putain de mur. Écoute, je vais sortir le Thanatos. Ils vont m'en rigoler, ces enfumiers là. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, donc. On va commencer tout de suite les hostilités. Premier Oh, tir. t'inquiète pas, j'ai déjà commencé. Premier tir, une tête. Deuxième tir, deux têtes. Bon, je vais pas faire ça jusqu'à l'infini, sinon ça va durer un moment. Prochain objectif, faut aller sur le toit. Je pense que ce serait mieux que tu ailles. Et le sniper. Et que moi je suis le défourailleur. Défourillons. Ok. On y va tous ensemble, c'est la joie. Et la bonne humeur. Mec, il a pas compris qu'il y avait une échelle là. Non, mais j'ai parti chercher voir s'il n'y avait pas un colis au fond. Très beau cube, au passage. Oui, toi et tes colis. Ah, merci. Pour une fois que je l'ai. J'adore le bruit qu'il fait. Putain. De quoi? Ah, le Thanatos. Ouais. Ça y est, il a acheté un petit joujou. Ah, non, mais le bruit du Thanatos, c'est juste magique. Ah merde, je me croyais dans Dying Light, je croyais que je pouvais faire des high kicks aux flics, tu sais. Mais non. Putain, la lunette de base zoom vraiment que dalle, hein. C'est hallucinant, mais genre... Par contre, tu vois, ce qui m'étonne, c'est qu'en arme de mêlée, ils aient toujours pas mis le coup de pied. Oh, j'avoue. Parce que tu crois qu'ils vont le mettre un jour? Ah bah, si on leur propose, je suis sûr, ils vont être là. Mais putain, qu'est-ce qu'on est con de pas y avoir pensé. De ouf. Et ils vont le mettre. Mais bon. Faut qu'on leur propose quoi. Ah, un cochon géant. N'oublie pas de filmer ça. Hein. De filmer quoi? Le moment où le cochon va descendre dans... entre des enfers. J'ai tout spoilé. On s'en bat les couilles frère. Ça. Mais... Bon alors les amis, si vous entendez pas énormément de bruit depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai pas encore sorti la sulfateuse. J'ai plus de mine. C'est ça, plus de munitions de pistolet. Bleh. Non, de du sniper, ça me saoule. Je vise un mec, je fais clic, j'entends. Oh. Oh. Oh damn. Oh tiens, Dozer. Attends. Je sors mon Baby Deagle, bah en même temps il était déjà sorti en fait. Bon. Je rends mon Baby Deagle. C'est ça. Je meurs et voilà. Ah d'habitude ça se passe bien sauf merde. Sauf quand il y a une rangée de boucliers à côté de moi, tu sais. Et tu pouvais descendre m'aider. Ouais mais comment je descends oui, par à l'échelle. C'est une bonne idée. Ça pourrait effectivement potentiellement. Le Serenabi a pas l'air très dégourdi. Bon d'accord, il y a un bulldozer, mais c'est un green, quoi. Ouais, d'accord.
Oh, oh, il me sauve au dernier moment. Faudrait quand même que tu viennes parce qu'il va peut-être crever. Ah, oh, il a fait ça proprement. Attends, je m'occupais du petit môme derrière là. Ah ah, quoi? Tu l'as, j'ai plus de mine de sniper. Je vais te niquer assez violemment. Oh non mais c'est. Bon, en fait non, c'est bon, tu t'es fait niquer assez violemment déjà de non, base. Non mais je l'ai eu. Ouais, c'est juste tu t'es quand même fait niquer. Qui m'a battu dans le dos. Ah, un sniper. Oh sniper, lui forcément il pense sniper, il pense sulfateuse. Prends ma sulfateuse. C'est... Ouais, ouais, ah j'ai ouais, plus de munitions de pistolet. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est à rire, c'est un teubé. Ah putain, par contre là il va falloir de la vie parce que... La vie, tu chouettes un bac? Là, voici, pas ici, tout de suite. Ouais, non, pas ici, ça sert à rien. Putain, je suis lent avec. Voici la vie, la vie, la vie. Telle qu'on enlève à tous les policiers. À tous ces petits. Et évidemment, je me suis trompé d'étage. Ah bon. Fail! Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Hey, il a pas, il est pas censé avoir un bipier le Thanatos. Il est censé, mais voilà. comme il est pas dans les accessoires, bah. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon épée. Bon, je te préviens, j'ai plus que 3 balles de pistolet, donc prochain assaut, c'est des fourraillages à sec. Hein. 12, ah, 10 secondes. Ah, en voilà un, par la gauche. Ah, bah il est plus là. Et regarde, moi je vois un casque posé là. Ouais, ça arrive des fois, mais moi je le vois pas pareil. On n'a pas les mêmes perceptions. Dommage. Pourquoi t'as pris des flingues si... puisque t'avais plus de mun? Enfin, pourquoi t'as pris des mun si t'avais plus justement? J'ai pas de mun. J'ai pas pris de... Non, mais il y en avait posé là des mun. Oh, un taser, il est où le taser? Non, il m'a mun, il m'a niqué. Ah, c'est bon. C'était quoi ce message tout à fait incompréhensible? Je voulais pas qu'il me nique mes munitions de Nihin. Oui, le Nihin est une arme chez moi. Mon dieu. Mais toutes les munitions de Thanatos, connard. Le Thanatos qui est en fait le Barrette. Vu qu'ils avaient pas assez de thunes pour acheter, pour écrire Barrette. Ah non, mais je me demande quand même comment tu fais pour pas avoir de... des copyrights sur des armes, parce que c'est chaud, quoi. Je vois si c'est des copyrights ou si c'est du clin d'œil en fait. Ouf. Je vois si c'est du troll. Non. Parce que connaissant les. Enfin, tu regardes Payday, globalement c'est beaucoup de troll. Hein. Non, c'est une question de copyright. Y a rien que tu regardes Knock Knock là. Ouais, non, mais y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Beaucoup de jeux qui peuvent pas se payer les licences de. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'as énormément de jeux, même des jeux de merde, qui sont capables. De se payer ça, de se payer les licences et tout. Et genre quoi? Puis t'as des gros jeux qui... C'est comme les jeux de voiture. Hein. Des fois, il y a des jeux qui sont même pas capables de se payer. Par exemple, Burnout. D'ailleurs, c'est ça aujourd'hui, les Need for Speed. Maintenant, c'est plus que des Burnout avec des licences. Ouais. Oh. Ah non, ça va. Ils ont de la chance et j'ai encore quelques munitions de pistolet. C'est pas pour tout de suite, les amis. Hop, petite dynamite. Munitions. Ah ah, par contre là, ma vie. Ah, ah bah tiens. Ah bah tiens. Voilà. Un peu de nettoyage, ça fait pas trop de mal. Va falloir que t'ailles me poser de la vie en revanche. Ah non, c'est bon. Il y a un pack qui est posé. Y'a rien dit. Oh, un dozer. Bon, je l'ai pété sa vitre et là, t'as plus qu'à les mettre un coup de cross et puis c'est bon, là, il est fini là. Pas besoin de cross. Bouffe mon canon! Ah, mais j'avoue, j'ai des grenades! Merde. Le mec qui découvre qu'il a acheté des DLC récemment. Pas récemment.
Oui. Et le CD grenade, ça fait un moment quand même. Hein. Ah, la bête a besoin de nouvelles mèches. Oh, c'est bon, il y a quelqu'un qui s'en charge. Les headshots au minigun. C'est bonheur. Ce que vous savez pas, c'est que des fois, arrière avec son minigun, il a un taux de précision plus grand que 100%. C'est ce qu'on appelle le cheat. Si, une fois tu l'as vu. Non, pas le minigun. Si, si, une fois tu l'as vu. Non, non, c'est avec le lance-flamme. Non, mais une fois aussi avec le minigun, tu l'as eu. Non, non, non. Non, non, c'est pas possible, oh, avec le minigun, il tourne à 16 de précision, hein, et encore. Tu sens qu'il y a eu un coup de minigun, là. Munitions, munitions, munitions. Ouais, en parlant de munitions, je vais poser mon sachet. Voilà. Munitions. Comme ça, pendant 15 secondes. Des fourraillages. Mais t'es sérieux, là, il y avait pas d'assaut, il y a peine un assaut. On s'en tape, on tire quand même. Ce mec est con. On casse la banque. Bah ouais, pas de fenêtre en haut alors. Attends, teubé là. Non, non, j'ai déglingué tous les piliers de la banque. La rambarde. C'est pas grave, j'ai un deuxième sac au cas où il faudrait faire le ménage. Bah t'as l'entrée avec moi même. Ouais. Oui, parce que oui, donc c'est faut le dire aussi. Ce qu'on l'a pas dit. Donc pour arrière, je suis un sac, et pour moi, il est un sac. Et voilà, pour moi, je suis un sac, et pour lui, il est un sac aussi. Bah, exactement. Nous sommes des sacs. Nous sommes des sacs inconditionnés. Des gros sacs. Des bons gros sacs de merde. Voilà. Tu la répares, la mèche? Ouais. Ah, c'est pas la mèche que je répare, c'est la perceuse. Oh, tu remplaces ta mèche, c'est pas chier. Bon bah c'est calme hein. Je me demande un truc quand même. Comment le Piggy fait pour tomber alors que il pète pas les trucs au-dessus quand même? Très bonne question. Au-dessus c'est globalement pété, mais même, enfin il y a des trucs au milieu là, enfin ils sont pas pétés quoi, c'est abusé. Ah ouais, non, en effet le truc du milieu est pas pété. Là par contre ouais c'est... Mais je suis un tir de sniper mais je sais pas d'où il sort. Il me semblait pourtant du toit. Oh, genre du toit la grue. Quoi. Eh oui, on ne défie pas les classes comme ça, sale new. 20 secondes. 20 secondes. Ouais, bon, j'envoie ma dynamite. Ah, oh, le Captain Winters. Thanatos. Eh viens, on va l'enculer. Ah, si j'avais le lance-flamme. Eh viens, on va l'enculer avec tes dynamites. T'as plus de dynamite. Ouais, bon. Ouais. Avec dynamite, mec. Quoi? C'est ça. J'ai plus de dynamite. Je me fais tirer dessus par un taser, mais bon, c'est pas grave. Oh. Il y a un peu un dozer, mais il fallait que je me charge avant de m'en charger. Et voilà, il y a plus de dozer. Moi, j'ai déglingué un taser. Oh, bah, un nouveau dozer. Tout neuf. Rien que pour moi. Bah, il est où le dozer rien que pour moi là? Ah, il est là. Il m'a fait voler l'autre. Voilà, à plus de dozer. Bon, écoute, hein, tu vas pas me faire chier très longtemps, toi. Winters, il est où? Il est pas encore là pour l'instant. Enfin, la dernière fois que j'avais il est là. Il était pas encore là. Ouais, mais il était pas encore arrivé quoi. Bon, au pire, on s'en fout, hein. Il est pas censé être en bas dans l'entrée, lui? Normalement, il est au niveau du. Ah, je vais crever. Non, c'est bon. Ah, mais on a plus d'otages, merde. On peut en otage, moi, pour gagner ma vie, moi. Faut que j'en fasse. Ah, par contre, là, il y en a plein dans l'ascenseur. De quoi, des otages? Non, des mecs du SWAT. Maintenant, il y en a plus dans l'ascenseur. Mais sérieusement, il est pas censé être dans l'entrée, Winters, là? Il y a personne. Bah, il est peut-être de l'autre côté. De l'autre côté où? Ça dépend, hein, des fois. Ça m'étonnerait que Winters ait qu'un seul point d'entrée, sinon ce serait. Malheureux pour lui, bah visiblement il a qu'un point d'entrée. Et c'est malheureux pour lui. Pourquoi?
Ah bah pourquoi? Parce qu'il peut pas me toucher. Il est point, mais il est pas là l'enculé. Bah ouais. Ah. Il met pas 600 ans à arriver non plus, Winter. Bah on dirait que si. Ah tiens, à part lui, j'ai pas encore vu de cloqueur depuis tout à l'heure. Non, si, moi j'en avais vu. Ah oui, non, je sais pas très bien. Ah, peut-être que tu as besoin. Ah non. Tu n'as jamais besoin. Besoin? T'es con ou quoi? Attends, attends, laisse-moi le mettre à. Non. Tu sais que je vais venir chez toi. Oh putain, mes crânes en bas là. Tire ouais, au pigeon quoi. C'est l'anarchie. Hein. C'est l'ananarchie. Ouais. Dessus? Ouais. C'est Anna qui se chie dessus, voilà, bref. Ah, lui, il t'offre son dos. Voilà. Lui? T'as le bouclier, normalement... t'as le bouclier qui descend les escaliers, je kiffe. Ils sont en train de vider le coffre, les gens, là-bas? On dirait, ouais. 3, pourquoi 3? C'est 3 secondes. Ah bien, il n'y a pas encore de sac, mec. Hein. Bah voilà. Ouais, mais parce qu'il faut qu'ils prennent les perceuses, voilà. Ah oui. Je pourrais aller les améliorer, mais ça prendrait plus de temps. Ce serait pas rentable. Appeler le bus, bon, ça c'est l'étape qu'ils vont pouvoir faire tout seul. Bon, en fait, nous, on est limite en train d'aggro tous les ennemis. Ah, je me suis pris un cloqueur. On est limite en train d'aggro tous les ennemis de l'autre côté, ils sont tranquilles. Bonjour. Ah, oh, taser. À ta gauche, à ta gauche. Je sais pas, j'ai plus de mieux. Ah si, il va recharger. Voilà, c'est vrai qu'il recharge le cloqueur. Putain, crève pas, mec. T'inquiète, je gère. Relève-toi, par contre, mec. J'ai vu gris. Hein. Relève-moi, mec. Merci bien. Mais genre, j'ai tiré à côté. Je vais juste me mettre un petit médic. Parce que là, c'est pas que j'ai vu gris, mais j'ai vu gris. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on voit gris, ça veut dire que la prochaine fois qu'on meurt, on va en tôle. Point. Sauf si on prend un sac médical, ouais, un gros sac médical. Sauf si on prend un vrai gros sac médical des familles. Pas le petit sac médical à la con. Ouais, bah, vas-y, c'est plus rentable parce que tu peux en mettre plus, ça régénère mieux ta vie. C'est plus rentable en vie, mais tu vois, pour les gens comme moi qui n'ont pas vraiment besoin de vie. Et voilà, mais en fait, c'est tous les petits autistes de 12 ans qui se disent « Ouais, vas-y, c'est trop bien, c'est beaucoup plus rentable, vous êtes tous cons. Ouais, mais ça régénère pas tes charges, gamin. » Donc c'est trop ça. Finalement, il s'est passé quoi? Il s'est passé ma mère. Ah. Oh, damn. Non, mais c'est bon, moi je suis à l'étage, du coup mes parents ils m'entendent. Oh putain, ils m'entendent pas. Ouais. Moi je suis à l'étage, sauf que mes parents aussi sont à l'étage. Oui, mais moi je suis tout seul à l'étage. Et que... Ah ouais, pas moi. Il vient de se passer un truc drôle, là. Il s'est passé un truc drôle, sauf que vous n'allez pas l'entendre sur la vidéo. Ah, non, non, non. C'est dans le jeu, il se passe un truc drôle. D'accord. Mais genre, en gros, je charge ma batte et tout, je charge ma batte et tout pour taper sur un mec et ouais. Et genre, le mec se décale, genre, t'entends un vieux touc. T'es de merde là. Ah, le smoke screen. Les gamins, ils ont du mal à changer le... Putain, mais Captain Izir, il a depuis 5 ans, mais... Je pense pas que ce soit là qu'il spawn. Je vais voir s'il est pas sur le toit. Oh putain. Pas voir s'il est là sur le toit. Parce que non, sur le toit, ça m'étonnerait très fort. Je vois pas où il peut être, y'a pas d'autre entrée. Ok. Ouais, allons vérifier, on sait jamais. Ouais, mais là, c'est chaud quand même. T'es où? Non. Toi, ah, toi, t'as rush à travers les gens, toi? Ah oui. J'ai plus de vie! Vous pouvez vous enfuir, lol. Attends, je me mets en face et. Voilà, deux d'un coup. Alors, verdict? Il est absolument pas là, cet enculé. Non mais il s'est fourré où? En fait c'est juste pour nous mettre une fente. C'est ça. Faites gaffe, y'a Winters là...
Non, non, là, l'assaut il est bien bloqué. Hein, donc... Bah ouais, mais je sais pas. Ah non, mais Clocker, tu vas pas me. Mec, il a cru, il est peut-être devant la banque. Mais non, mais on est. Ouais, ouais, j'ai pensé aussi. On est pas censé pouvoir. Ah, mais si, on peut sortir. Bah ouais, mais non, il y est pas. Il est pas là. Je sais pas où il est. Non, non, mais t'as peut-être pas bien vu. D'ici, on voit pas très bien. Oh, mais je pense quand même. Descendons. Non, il n'est pas là. Parce que c'est chaud quand même. Hein. Parce que c'est pas que. C'est pas que voilà, mais voilou quoi. Donc bon. Ouais. Il y a un moment, faut s'arrêter quoi. Il dit quoi le mec? Moi j'ai entendu It's a kitchen. Ah là par contre, je suis mort. Ah. Oh putain, regarde ma vie, mec. il est bien pas dehors. Hein. Ah non, non, on dirait pas qu'il soit dehors. Il est dehors. Quoi? Non, non, je corrigeais ma phrase pas française. Ouais. Tu sais quoi? On pourrait aller aider les autres à remballer les bagues. De toute façon, on a plus que ça à faire. Yep. Hein. Ah bah le voilà, Winters. On s'en fout. Il est à l'entrée. Ouais, il a pris son temps lui. Quand, il était en pause café. Intervention rapide. Intervention rapide qui disait. C'est par où? Oui, faut qu'on intervienne de toute urgence. Faut qu'on intervienne de toute urgence, le mec il met 40 ans. Bon, nous sommes là, t'sais. Les mecs ils ont braqué la banque. D'accord, ils ont pas ouvert les coffres en fait. Du tout. Non bah non, ils ont pas fait les petites serrures. En plus, il était pas grand. De quoi? Coffre. Il y en avait que deux. Ah. D'habitude, il y en a au moins 5. Mais non, les petits coffres, jamais il y en a 5. Hein. Enfin, il y a jamais. Ah non, 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 mais pas des gros coffres, je te parle. Des sous-coffres. Des fois, t'en as plus. T'en as 5 des fois. Ouais. Bon, bah, vous voyez, on a fait une petite Benevolent Bank Neverkill. Mon plus grand nombre de victimes. Moi j'ai fait de la merde. Je pense. De victimes spé. Ah, ça va. Bon, après je vous avoue, précision 13. Hein, mais bon, 139 tirs à la tête. Donc content de moi. Moi, précision 61. Sur 16, t'as tellement moins de précision. Sur 16, si t'as une précision de 30, t'es content, tu sais. Parce que les mecs en face ils sont chauds des fois. Bon, la WAP t'as une plus grande. Oh là là. Miséricorde. Oh là 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 là. Quel payday de ouf. Bien, alors on se fait quoi? Bon, alors déjà on va commencer par clore cette vidéo. Enfin, finir par conclure. En conclusion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de devenir Plank, bien sûr. Exactement. Évidemment. De ensuite, laisser un petit j'aime. De faire un petit golden green quasi. De laisser un petit j'aime et de partager. C'est ça qui va faire vivre la chaîne et vivre arrière dans un futur proche. Parce que donc, il est un peu trop con, il va devenir SDF sinon. Et de commenter, pourquoi pas. Hein. Ouais, dites-nous s'il y a moyen de s'améliorer. On est toujours preneur. Enfin, si il a moyen de s'améliorer, moi je suis parfait de toute façon. Le mec à peine sûr de lui. Bah, si t'étais si parfait. Très pas aussi vantard, hein. Mais comment être modeste quand on est le plus fort? Quand on est le meilleur, hein. Bon bref, bye tout le monde, hein. On se retrouve avec l'autre débile dans une autre vidéo, sûrement. Ou peut-être pas, parce que je le tuerai avant. Je veux pas de toi. Allez, à plus. Bye bye tout le monde.